théâtre. Bienvenue à la présentation de la pièce « Les voisins » de Claude Meunier et Louis Saillant. Pour votre sécurité, je vous informe de certaines consignes. Les sorties de secours sont de à gauche en avant et au centre à droite. En parlant de secours et d'urgence, je vais vous spécifier où sont les toilettes. Ils seront à droite de la sortie de la droite. Ça peut vous être utile de le savoir. Aussi, nous vous demandons de fermer vos téléphones cellulaires. Comme Lucie et moi sommes assises plus haut que vous, on va pouvoir facilement repérer les rebelles. Et finalement, après l'entracte, les sacs de chips devront être vides quand vous reviendrez à vos places. Alors, une merveilleuse soirée avec les meilleurs comédiens de Norton et des environs. Ma mère est grosse, pis moi j'ai des boutons. C'est à cause des hamburgers, pis de la reliche, pis des oignons. Oh ben, papa, aime-toi, t'as-tu fini d'être croche? Hey, niaise-moi pas, hein? Je pense que je n'ai jeté d'autres avant toi. Bouge pas, ma belle, bouge pas! Salut, grand! En vrai, qu'est-ce que tu fais ça? Ah, pas grand-chose, pas grand-chose. T'es-tu après couper ta haie? Je l'attends, il y a peu. Elle commence à avoir l'air couilleux. Ouais. C'est une tâche pareille. Et tu fous, toi. Hey, moi, je fais ça pour me détendre. Moi, de l'herbe, ça me relaxe. Parle-moi de ça. La petite famille va bien? Je te remercie, toi-même. Définitivement. Ça me maigrit, toi. Et tu fous, toi, à engraisser trois lignes. Ça semblait et tout. Ouais, ben, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais, hein, qu'est-ce que tu fais de bon? Hey, je suis allé chez Canadien Tailleur. T'es pas sérieux? Ouais, tu vois ça, mon homme, ils ont reçu un de ces clous à ciment. Ça fait peur. Eh ben. On fait bien des farces, mais t'as dit que le ciment, hein, de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon vieux? Un ciment, c'est une science. Fait qu'à force de trouver, ils peuvent pas faire autre... à force de chercher, ils peuvent pas faire autrement que de trouver. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. Ben, oh, ben. Hé, soda! Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu vu ça, toi? Ça vaut la peine de se forcer dans la vie. Tu travailles comme un bulldozer pendant 15 ans à terre. Tu te revires de bord deux minutes, pis t'arrives un maudit Mario à note qui vient se foirer dedans. Je sais pas s'il fera ça dans son salon, tu penses? Mais ça, oui. Ce monde-là, là, ça mériterait d'être pendu par les intestins! T'es trop bon, mon Bernard, t'es trop bon. Non, mais s'il y a pas moyen de couper ça sans avoir du fun, me demande bien où ce qu'il y a de plaisir dans la vie. C'est pas moi qui va t'ostiner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça couper ma haie, oui. T'as pas besoin de rien me dire, mon vieux. Ben, c'est ça que je te dis. Ah,
commentaire, toi? Ça continue, tu vas faire des vénères vite, hein? N'empêche que si ça continue, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. T'as-tu déjà vu ça, toi, la paire de même? Ça sent bon. Pas un frisbee, ça? J'aime autant pas en parler. Excusez, enchanté. De rien. Ah oui, Jean. Georges, hey, on s'est devant parlé, mais pas officiellement. Ah bon. Hey, Jose, la femme me disait ça tout à l'heure. T'as l'air que ça bouge, c'est effrayant. T'es aussi belle d'en profiter dans le temps que ça passe, hein? Puis les assurances, ça marche-tu les accidents? Numéro 1. Pas mal tranquille, mais je me dis que ça va revenir. Ça donne rien de t'en faire. Ah, surtout quand ça va mal, hein? On n'a rien pour rien. Surtout les fraises. C'est quasiment rendu 2 piastres du corso. Mais vous, vous n'étiez pas vendeur de chars usagés? J'en vends encore. Oh, de toute façon, des chars usagés, il y en aura tout le temps, hein? On ne sait jamais. Mais vous, faites quoi déjà? Vous travaillez pas pour des dentiers? Effectivement. Comment vous appelez déjà? Le denturologue. Et votre prénom, c'est quoi encore? C'est Georges, enchanté. C'est rien. Mais là, êtes-vous pas l'Europe au moment de leur mort? Non, nous, on attend avant d'y aller. L'Europe, ça change pas vraiment. Ça va être pas mal pareil dans 5 ans. C'est vrai. Je t'ai pas encore parlé de ton voyage en Europe. Excuse-moi, mon vieux. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. Pis, mon Bernard, tu m'as pas dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont l'air, les petites femmes en Europe? Ah, y'en a pas juste des petites, y'en a des grandes à travers. Et tu regrettes pas d'y être avec ta femme? Non, elle a bien aimé ça. Mais t'es-tu allé voir des striptease au moins? Je pense pas, non. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas le temps de rien voir là-bas. Juste visiter le Louvre. On n'est pas allé. Ça a l'air que ça prend des mois à visiter. Il faudrait que tu nous montres ça, ton voyage, un bon jour. Pourquoi tu n'aimerais pas faire un tour avec Laurette à soir? Ben, ça t'engage rien. Ouais, mais il faudrait que j'en parlerai à Laurette à l'heure. Pour voir si elle a le goût. Hey, laisse faire ça, toi, on va vous attendre. Je pense à ça, là. Je n'ai pas vu, moi non plus, votre voyage. Tu veux? Ben non. Heureux. Moi, qu'on pense faire un tour, nous autres aussi. Remarque qu'on a un parti de vendeur de char, mais on pourrait toujours bien arrêter de faire un tour après. Hey, puis. Ça en coûte bien libre. Bernard? Fernand, t'es là! Hein, l'eau. Ça te dérange pas, j'espère? Pas encore, non. Très beau, hein? Bonjour. Enchanté. J'espère, je suis pas arrangé partout. Combien, Luce? Je sais pas. Il m'est arrivé tout un dégoût aujourd'hui. En voulant nettoyer le poêle, j'ai chopé du ajac dans ma sauce à spaghetti. Que dis? Ah! C'est bien toi, ça! Pas grave, t'as rien qu'à faire cuire les nouilles dans l'autre chapelle. En tout cas, vous m'en réalisez, hein? Excuse-moi, Fernand. Qu'est-ce que t'as fait encore? Parce qu'il faudrait que j'aille faire la commande. Ah, excuse-toi pas pour ça, oui. Vas-y. Mais c'est parce que j'ai besoin de bidou! Bidou! Qu'est-ce que c'est? Des bidous ou bien des bidous? Chance que vous êtes là, vous autres les femmes, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de travailler. On n'est pas payés, nous autres, pour faire notre ouvrage de reine au foyer. Voyons donc. Fais une peinture, toi, quand je sors les poubelles. Arrête donc, Fernand. Tu sais bien, je suis pas bonne pour être drôle. Hey, 2 piastres, ça c'est. C'est juste assez pour un corso de fraises, ça. Coudonc, il
Il rit-tu de moi, Jean? Regarde-la. Pas moyen de parler de fraises sans qu'elle soit visée. Ouais, ben, je pense que je vais y aller, moi. Ouais, fais bon, ça. C'est ça. Au revoir. Ah, les femmes! Mais en fait, je sais pas ce qu'on ferait s'ils n'étaient pas là, hein? On irait en voir d'autres. De quoi qu'on parlait, donc, là? J'en ai aucune idée. Bon, ben, sur ça, moi, je vais aller te conduire dans ma piscine. On s'en verra peut-être à soir, là. Peut-être. Salut, Jean. Salut, au plaisir. Finalement, ça te fait tout un voisin, ce gars-là. Je vais dire que c'est réciproque. Ah ben, la belle visite. T'es pas tout seul, je te fais. Non, non, je suis avec ton mari. Hey, excuse, qu'est-ce que j'ai l'air, là? J'arrive du centre d'achat. Ah, moi, j'en remarque pas ça. Pire. As-tu des nouvelles de ta femme? Bon, elle essaie de s'occuper. Hein. Tu sais c'est quoi la vie des femmes? Hein? Ben, qui dis-tu? Je voulais lui téléphoner la semaine passée. Finalement, j'ai fait déjeuner mon frigidaire. Moi, tu parlais personnellement à soir. Genre, je parlais à venir nous visiter avec sa moitié à soir. Ah! Tu parles d'une surprise! Êtes-vous ça de venir? Ça dépend si vous êtes là. Si vous venez, on va s'organiser pour être là. En tout cas, j'ai assez hâte de vous voir là en Europe ou deux. Ah, puis j'espère que votre Fernand va venir aussi, hein? Il y a un commerce agréable. Fernand? Oui, je t'ai pas dit ça? Non. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun que tu m'en parles. Regarde-moi pas de même. Sa femme, elle va venir avec, je te garde. Tu sais que j'ai un froid avec sa femme. Je ne sais pas d'y parler. Après, qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que si je portais pas de short en été, c'est parce que je porte des varices. Tu penses de ça, toi? De quoi ça, toi? Oh, absolument. Moi, ça me choque assez, le monde qui cacote de même, là. Ah, oh, c'est incontestable. Moi, je dis ça à tout le monde, porte des seins en silicone! Ah! C'est la première fois que je te l'entends dire, à toi! Dis-toi que c'est la dernière! Je suis pas de ce genre-là, moi! Ouais, mais. Il faudrait y pardonner parce que des femmes, ça pense pas toujours à ce que ça dit. C'est une bonne raison pour qu'elle me parle à travers de son chapeau! Ah, là, tu tiens quelque chose! Je l'ai pas fourré, je l'ai serré. T'es malade, toi. Bernard, demande-lui des excuses. Pis toi, là, va te cacher. C'est pas une tenue pour une jeune fille. T'as, commence pas à capoter. Hé, hey, sauras si tu vois pas que je prends un char pour capoter. Bernard, demande-lui des excuses. Dis, ta mère te parle, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, dis quelque chose! Écoute ta mère, Suzy. J'écoute. Hé, hey, je te défends de voir comme ça. Hé, hey, ah, regarde si t'es débile. Bernard, si tu parles pas, c'est moi qui vais y parler. Là, Suzy, là, c'est papa qui te parle. OK. Hébé? Je suis tannée de te répéter la même chose! Ben, t'as juste à me répéter autre chose! Et tu dis rien! J'ai rien à dire! J'espère que tu vas sortir le fouet! Rends-toi-en pas, c'est comme s'il était sorti! En tout cas, chose certaine, moi, je suis mon heure de départ! Moi aussi, je vais y aller! Où tu vas? Faut bien que j'aille acheter la réception pour ce soir. Non, mais je peux te déposer au centre d'achat si tu veux. Ah, non, non. Je vais me déposer moi-même. On va rentrer les paquets, moi. C'est ça. À ce soir, Bernard. Bon. Il me semble que j'avais quelque chose à parler. Ah, oh, ça n'a pas d'importance.
Bonjour, princesse! T'as l'air de bonne humeur à matin? Oh, pas tellement. Ça paraît pas. Ça fait-tu longtemps que t'es debout? Je te dis qu'il y a des matins que je passerais tout droit. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, t'es pas comme moi, là, toi. Moi, je suis assez de bonne humeur, là. Maudit que la vie est belle. Non, mais qu'est-ce que c'est donc à être en forme de même? Tu veux-tu me le dire, toi? Dis-moi pas que tu pleures. Non, non. T'es sûr que tu pleures pas? Tu peux me le dire, tu sais, ça ne fait rien. Non, non. Hey, je t'ai pas dit ça. On est invité chez Bernard à soir. Ça, c'est de la nouvelle. Hein? Tu t'attendais pas à ça. Je serais pas capable d'y aller. J'ai de la misère à me traîner. Ben voyons donc. M'en va te traîner, moi. À part de ça, j'ai l'air de rien de ce temps-là. Je trouve pas, moi. T'es toujours de même. Tu dis ça pour me faire plaisir. Oh, j'ai aucune raison à vouloir te faire plaisir. Écoute, Joe. J'ai peut-être pas l'air de filer de ce temps-là, mais dans le fond, là, ça va très mal. Mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe entre nous deux, Georges? Rien. Tu comprends pas? C'est pas grave, ça, Laurette. Ben oui, mais je m'ennuie, Georges. Veux-tu qu'on déménage? C'est pas ça. Je t'allais toujours faire la même chose, juste de faire à manger puis de laver la vaisselle. Ben, fais d'autres choses. T'as une balayeuse neuve, sainte toiseau. T'as 30 pieds de fil après. Ben, c'est pas ça que tu voulais. Je le sais bien. Peut-être que je suis pas heureuse. Pourtant, t'as tout pour être heureuse, Laurette. T'as de l'argent, t'as un bon mari, t'habites à 2 minutes du centre d'achat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je le sais pas. Non. Ouais. On dirait que j'ai 65 ans, Georges. Peut-être j'en ai juste 44. Ouais, dis pas ça. T'as l'air d'en avoir 42. Bah, t'es pas mal, Georges. Pourquoi qu'on fait jamais de psychologie ensemble? Les maris modernes, ils comprennent que leur femme fasse une dépression. Non. Toi, on dirait que ça te fait rien. Non, mais dis pas ça, là. Je trouve ça pas mal plate, moi, là. On se parle jamais, Georges. Ben, pas tout le temps. En tout cas. Laurette? Quoi? T'es-tu mieux, là? Je suis beaucoup mieux. Ah, ouais, sois mieux. Écoute. Il fait trop beau pour parler de ça aujourd'hui, là. Pourquoi qu'on n'attendrait pas demain? Mais c'est quoi demain? Je suis pas bien, Georges. C'est aujourd'hui. Oui, mais demain, c'est une autre journée. Tu n'y avais pas pensé à ça, hein? Écoute, mon petit pinson. Ben, je t'aime. Mais moi, j'ai pas rien que ça à faire. C'est mon char qui m'attend dans le garage.
C'est ça. Va le rejoindre avec San Mitro. Ben, tu veux-tu venir le laver avec moi? Tu t'occupes plus de ton char que moi, Georges. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus avec toi? On mange ensemble, on dort ensemble. Je crois qu'on pourrait te passer chez moi sur le dos, donc. Pourquoi pas? Pour un char. Ben, je vois ça en être un. Ben, qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hey, Laurette, pourquoi tu n'irais pas t'étendre au soleil? T'es blanche, blanche, on dirait une morte. Tu vas en état de briller. Un, deux, testing. Un, deux. Allô? Occupez-vous pas de moi. Continuez ce que vous dites. Comment s'entendre? C'est Junior! Ça va marcher son intercom! Un, deux. Oh, pas encore lui! Lui, si ça continue, il va coucher entre nous deux. Des fois, je me demande ce qu'il m'a mis. Il m'a pris d'être enceinte de lui. C'est pas mon fils que j'ai mis au monde, c'est ton frère! Bon, qu'est-ce qu'il t'a encore fait, là? Je pense que si je mourrais demain matin, il faudrait que je lui dise pour qu'il s'en rende compte. Oui, il t'aime dans le fond, c'est juste qu'il ne sait pas. Ben, tu sauves les yeux. Je t'ai déployé sans que tu t'en aperçoives. Oh, Laurette, tu sais que tu pleures des fois. Ben, ça paraît pas. Ben, il est diplomate. Oh, je suis tannée. Je suis tannée. Ben, non, t'es pas tannée, voyons. Je te le dis que je suis tannée, bon. Je suis tannée, OK? Wow, là! Wow, là, ça va faire! Ça va faire l'énervage, là! Hein? Il y a moyen de faire une crise de nerfs comme du monde, il me semble! Un téléphone flambe en eux! Georges, qu'est-ce que je vais faire? T'es trop gâté, oui! C'est pas tout le monde qui a trois téléphones par maison! C'est ça ton problème! Georges, dis-moi quelque chose! Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais, Georges? Je te colle une ambulance! Georges! S'il te plaît, je t'appelle, folle! C'est pas le temps, là, ça sonne! Allô, Michel? Oui, oh, oui, c'est Georges! Hey, excuse-moi de te déranger, là, ouais. Comment ça va? Moi, je te l'entends. Quoi? Non, non, y a personne qui me râle. Georges, Georges! Ah, Laurette? T'es en super forme, Laurette, attends, t'envoie la main, justement. Ouais, mais c'est ça. OK. On se revoit. OK, salut. Je m'excuse, Georges, d'être déprimé. T'as pas à t'excuser, là. Y'a personne de parfait. T'aimerais pas ça, toi, des fois, être heureux? Ben, je suis assez heureux de même. Qu'est-ce que ça me donnerait de l'être plus? Je vais être mieux, là. Ah, mais c'est vrai! Regarde-moi là! Hey, regarde, tu souris! Tu trouves? Ben oui! T'as l'air d'un vrai clown! Tant mieux! C'est Georges, on devrait partir tous les deux tout seuls, des fois. N'importe où! Ben, pourquoi qu'on irait pas au centre d'achat ensemble dans l'eau? OK, mais faudrait que ça soit coiffeuse, par exemple. Ah ouais, donc, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, va t'habiller. T'as le tour avec moi, Georges. C'est parce que je t'aime, mon amour. Un, deux, un, deux. Bon, ben, je vais y aller. Allô? Allô? Papa? Papa? Ouais? M'entends-tu, papa? Oui, je t'entends. Paye sur le piton, tu m'entends. OK. Je te paye sur le piton, là. Allô, papa? T'entends complètement. Victoire, papa. J'arrive. Good. Je t'attends, là. T'as fait ça vite? T'es juste à côté. Je te dis que ça va être pratique, là. Mettons que vous deux verres quelque chose. Pas besoin de vous en faire, vous avez juste à m'appeler dans ma chambre. Ouais. T'es sûr que ça prendra pas en feu, cette affaire-là? Non, non. Il me tombe, j'arrive un soir, là, puis je vois qu'il y a de la lumière en dessous de votre porte de chambre. Je sais pas ce que vous faites. J'ai rien qu'à vous appeler. Puis,
Qu'est-ce qu'on fait après-midi? On va-tu faire couper les cheveux? Non, non. Je vais au centre d'achat avec ta mère après-midi. En quel honneur? Écoute, pas pas, là, mais ta mère a fait pas dans ce pain-ci. Elle s'imagine qu'elle s'ennuie. Ça doit être dans sa tête. Je l'espère, parce que nous autres, les hommes braillés, on sait pas faire ça. Moi, je connais rien là-dedans. Elle voudrait que j'y parle plus. Qu'est-ce que tu voudrais bien dire? C'est peut-être ta femme, là, mais c'est ma mère aussi. Ah, mais tu devrais y dire. Ça lui ferait plaisir, ça. Parce que ta mère, dans le fond, c'est une femme. Dans un sens. Sur ma... On est bien, hein? Ça fait longtemps que nous avons été même ensemble. Ben, profite-en. Je me sens comme en voyage. C'est pareil, comme si on s'en irait sans allure. Ouais. La lune de miel. J'aimerais ça. Tu me parles toujours de même? Ben, t'as eu juste à me le demander. Veux-tu lire une revue? Non, non. Es-tu bien? Oui, oui. Sûr? Sûr, sûr. Non, mais tu l'es si t'es pas bien. Je te dis que je suis bien. Sors-toi pas, on n'est pas pour me chicaner pour ça. Moi, je chicane pas non plus. Je sais. C'est fragile, l'amour. C'est peut-être moins que la fleur de peau. Je suis pris, hein? T'es pareil comme mon char. Ça me fait plaisir. Penses-tu que ça va durer longtemps? Ouais. Ça, j'aimerais ça, qu'on soit toujours comme on est là. Ben, on viendra si tu veux. Pas juste ici, je veux dire. T'es sûr qu'on va y arriver? Mais où? C'est mis comme des Roméo. Écoute, Lorraine, moi, quand je décide d'aimer, là, j'ai rien qu'une parole. Si jamais j'arrête de t'aimer, c'est parce que je suis en train de me faire exposer. C'est pour ça, là, je veux pas que tu meurs. J'aimerais ça mourir avec toi. Ah, ça, c'est le rêve de bien du monde. Mais fais-toi un pas avec ça. Il n'y a pas rien que ça à faire dans la vie, mourir, sans. Il y a bien du monde qui demanderait juste ça, vivre. C'est facile d'être gay dans la vie. Il suffit de l'être. Ouais. Il est quelle heure, là? Ça fait un petit peu. Il est 2 heures, si tu connais. J'aurais aimé ça que ce soit plus bonne heure. Ben, excuse-moi. Mais, t'es-tu encore bien? Pas pire. Quel genre de papier? C'est juste que j'ai chaud. Ouais, mais t'es heureuse pareil. T'es pas... Quoi? T'es pas... Oh, commence pas. J'ai pas le droit d'être heureuse puis d'avoir chaud en même temps. Ben, excuse-moi, c'est à cause que je suis pas habituée d'être au 7e ciel. Non, non, c'est moi qui ai pas le tour d'être bien. Lorraine? Pourquoi tu fais ça? Oh, je sais pas. Hey, Nono. Nono, de qui tu penses? De moi, je pense. De qui te l'a dit? Toi, t'es dû pour un petit bec, là. Allez, non. Hé, tantaï! Toi, tu as dit que te garde dans le cadre, là. Non, mais quand même, il y a des limites à l'endurance qu'un homme peut endurer. Il
Les microbes? Hey! C'est le fond de la fête! Un fond, pas mal. Si ma, c'est ça, elle va bien tilter. Hey, t'as pas de devoir à faire, toi? Ah, mais t'as vu une affaire plate. J'ai oublié mon sac à l'école. Hé, va dire comme toi, c'est plate rare, hein? Qu'est-ce que tu vas voir là, on à l'école? Je vais avoir l'air d'avoir un billet de toi. Eh ben, rien que ça. Veux-tu un billet de ça avec ça? Hein? Ah oui, donc. Tant qu'à faire. Peux-tu avoir un 10 à la place? Tant qu'à faire. Ah oui, donc. Tu la trouves pas drôle du tout, ta farce. C'est pas une farce. C'est ça que je te dis. Ah, regarde-moi bien, là. Tu me vois-tu, là? T'es dur à manquer. Mais tu lèves d'une valise, selon toi. Suzy, j'attends. J'attends quoi? J'attends mon air de valise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui ou non? Si par moi, je montrais du côté que le pote là. C'est ça. C'est ça quoi? C'est ça rien. T'as pas ça là. Tu demanderas à ta mère ton billet. Ah, come on, t'as fait pas le chien. Pardon? Je veux dire, tiens ça mort, tu connais ma. Elle va bien faire des free games. Tu sais, si tu te demandes là, c'est presque jouer dans le dos de ta mère, hein? Puis tu sais que j'aime pas ça. Je te demande pas de jouer dans le dos. C'est juste, il se passe jamais rien avec elle. Tu veux-tu qu'elle ait un accident, t'as fait plaisir? Non, mais elle lève pas. Qu'est-ce qu'elle lève pas? Ben, elle. Hey, garde, je sais même pas si je te suis, là, moi. Non, mais l'affaire, là, c'est qu'elle tripe machine à laver. Tu sais, hey, gaga. Oh, un instant, ma fille. Oublie pas que ta mère, elle n'a pas eu de jeunesse, hein? Justement, elle comprend rien. Je trouve que tu y vas fort avec ta mère. Elle est surprenante pour quelqu'un qui n'a pas d'instruction. Tu sais que ta mère aurait pu être intelligente, hein, ça aurait voulu. Parce qu'elle a tout un jugement, bonne femme. L'autre fois, elle m'a expliqué pourquoi qu'elle avait les verres avant les chaudrons. Je vais te dire que j'y aurais jamais pensé. Ta mère, là, c'est une intelligence pratique. Ben, qu'elle pratique, c'est d'autres que moi. Moi, là, j'y demande pas grand-chose, juste qu'elle soit... Ben, qu'elle soit un peu plus comme toi. Moi, je trouve, en tout cas, là, à côté d'elle, t'es coeurant. Tu parles-tu de moi, là? Je veux dire, t'es OK. Tu peux faire n'importe quoi, tu dis jamais rien. Ben, me dis ce que tu peux faire. Je l'ai sûrement déjà fait. Tu devais te péter pas mal. J'irai pas jusque-là. Allais-tu danser? Pas vraiment, non. Je faisais le malade, moi, assis à ma place. Mais toi, les gars, commences-tu à allumer une cloche dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense que t'es pas mal rendu à l'onde de raison. Non? Ouais, pis. Pis, ouais, pis. Ben, c'est ça, pour une raison ou un autre, que t'as le goût d'avoir une conversation d'homme à homme avec ton père, ou si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas dans l'exercice de la vie privée, ben gêne-toi pas. Tu sais que ton père t'a mis au monde, hein? Ça fait que je ne suis pas le dernier venu dans la chose du domaine. Énerve-toi pas avec ça, papa. Mon chum, il m'a tout expliqué. Il y a rien, là. Ah bon? Ben, d'abord qu'il y a rien, là, c'est le principal. Mais, toi, tu penses pas un peu à l'avenir? Quoi? Et quelle heure? 3h moins quart. Non, mais, y a-tu un métier qui t'intéresse? Moi, là, j'aimerais ça faire le mouton. Mais dans quelque chose de buzzant. Je connais pas ça, ce métier-là. Mais, je peux te dire une affaire, là. Moi, je me suis levé un bon matin, j'étais jeune. Je me suis dit, fais ce que toi.
Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté de bien aller. Mais toi, là, t'as pas l'air à en avoir de phrase à te dire. Ça t'inquiète pas, ça? Pas besoin de m'inquiéter, on va bosser bien avant. Comment ça? Le champignon, ben, il s'en vient. On va tout sauter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voyons, champignon. Il l'a annoncé dans les journaux. Tu sais bien que le champignon, c'est pas sérieux. Toi, t'en regardes trop de buts. Moi, tant que j'en verrai pas un en chair et en os, là, j'y croirais pas mes yeux. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me patenter un cendrier pour mettre dans mon portail. Pourquoi? Ça t'intéresse? Ouais, c'est parce que j'allais patiner. Ben, vas-y. J'ai pas d'argent. Ben, vas-y pas. Ah! C'est pour aller t'acheter de la drogue, ça, hein? Tu me connais tellement mal? Ben, j'espère. Comment tu veux? Ouais. Un 10, ça va faire. Hey, veux-tu me ruiner? Ah, mais pas l'écœurant. Non. Tiens. Hey, merci, t'es écœurant. Tu trouves? T'es d'aller chez quoi, elle parle? Va finir par m'habituer. Écoute, si vous me demandez de venir ici, c'est que j'aimerais ça te parler quelque chose. Je comprends ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème? C'est parce que j'ai bien peur d'avoir le goût de déménager. Ouais? Qu'est-ce que t'entends par déménager? Irais-tu jusqu'à aller rester ailleurs? Pas jusque-là, non. Je voudrais déménager, mais dans la maison. Pour être franc, c'est la cave que je vise. Il semble que je suis rendu au stade d'aller rester à côté de la chambre de lavage. Grosso modo, là, ce que tu veux, là, c'est d'aller... de changer de chambre, c'est ça? En gros, c'est ça, oui. Tu sais, d'un côté, ça va faire mon affaire, puis... À part de ça, un jour, je vais bien être poigné pour me marier. Je vais aussi bien m'habituer tout de suite à être seul. Vendu! Moi, quand je trouve que l'idée a de belles chances, y'a rien contre. À part de ça, vu que je gagne ma vie à temps partiel de ce temps-là, j'ai pensé vous instaurer une pension de 18$ par mois. Ah ben ça, y'en est pas question. Comme tu voudras. C'est tout? Oui et non. C'est quoi le nom? Parce que tu sais que l'année prochaine, je m'en vais évoluer au cégep, hein? J'aimerais ça arriver là, me dire d'une décision bien en main. Ben, à ce qui m'a trait au dents, au dentier, appelle ça comme tu voudras, tout ce qui mange, quoi, ben, ça a permis de me faire nourrir ma famille. Mais c'est sûr que ce métier-là, il n'y a pas juste l'argent qui m'intéresse là-dedans. Il y a le côté humain de l'aspect. Il y a le fait d'être professionnel aussi. Ça aide le monde à t'écouter quand tu parles. En tout cas, j'espère que tu ne me trouves pas trop préoccupé de m'en faire. Ben voyons donc. Un mot de voir demain, mon fils, que de voir avec un Wendroid derrière les oreilles. En parlant de ça, je n'ai pas dit ça, mais l'autre jour, là, je me suis quasiment... Faites offrir une bière. C'est pas grave, ça, fiston. La boisson, c'est comme les femmes. Faut que tu sois capable de dire non de m'amener. En parlant de ça, parle-en pas, là, mais il y en a une que je cracherais pas dessus de ce temps-là. Ah oui? C'est qui la chanceuse? Pas la petite Pinko, tout haut? Ah, non. La petite Pinko, elle, est trop jeune de caractère. Non. La mienne, moi, elle s'appelle Thérèse. Thérèse?
Non, mais c'est-tu un beau bret, toi? Ah, elle est assez brun. C'est peut-être pas une beauté, mais pour une première blonde. Ouais, mais faut bien commencer avec quelque chose, hein? As-tu réussi à y parler, toi? Presque. J'aimerais ça dire d'autres choses à un moment donné, là. T'avais pensé de l'inviter à venir voir une vue en fin de semaine? Il n'y a rien de bon à télévision. Aller en voir une au cinéma. Mais t'es fou? J'ai pas d'argent à mettre là-dedans. J'ai mon compte dans le CPD à payer cette semaine. Et à part de ça, je sais même pas quoi dire. C'est quoi qu'on parle avec une femme? Oh, ton boy, là, tu me demandes une affaire. Georges? Écoute, faudrait que je te parle pour ton char à soir. J'aurais besoin pour aller livrer des produits de Port-Royal. Pas de problème, Junior. Attends un petit peu. Je vais te passer mes clés. Georges? Oui, j'arrive! Penses-tu que je devrais faire une salade aux patates?
C'est à moi tu parles, là. Non, c'est au mur. Ah bon. T'en viens-tu, là, Georges? Il s'en vient, là, maman. Comment ça va, toi, à part ça? Ça va mal. Tu veux? En tout cas, je voulais te dire ça. Je sais qu'on se parle pas souvent, mais je suis beaucoup occupé de ce temps-là. À cause de mon âge, je suis un peu en période de révolte, tu sais. Pourquoi tu me dis ça? Pour te faire plaisir. Salut, princesse! Ton père arrive, là! Hein? En tout cas, on va sûrement s'en voir. Ben oui! OK, over. Bon, je peux-tu te parler, là? Ah ouais, donc? C'était pas beau ce soir chez Bernard. Hey, ça fait sportif, un afro, hein? Ça me tente d'y aller. Penses-tu que ça met le temps, moi, puis j'y vais pareil? J'ai rien à mettre sur le dos. Mais rien! Ça fait l'allure! Puis regarde-moi donc, je fais encore ça! Bon, ils sont corrects tes cheveux, Lorette, voyons! Je sais, c'est pas ça! Mais c'est trop compliqué comme soirée! Bon, écoute, panique pas, là! Ce que je vais faire, là, je vais téléphoner à Bernard, puis je vais lui demander le plein de la soirée. Tu sais qu'on était avec ta gueule! Non, ça se fait pas, ça! Ben, tu sais pas, on l'a jamais essayé! Je pense à ça, je sais pas comment m'habiller à soir, moi. Tiens, demande les dents, Janine. Hein? Je vais te dire qu'elle court pas, c'est juste. Je te dis qu'on est assez contents de vous voir, de nous autres, non? C'est rien de parler à nous autres! Voulez-vous vous asseoir? C'est pas nécessaire. Dis, mon Bernard! Quoi de neuf depuis un matin? Un peu, là, toi. C'est dur à dire, là. Oh, ta boy! Mon Dieu, Janine! T'as bien. Ça se peut pas, t'as bien un beau costume! Tu l'aimes? Je trouvais assez que j'avais l'air d'une vraie folle dedans.
Ça paraît pas. Pour. Mon Dieu, mais vous avez tous changé votre cours de place. Ben oui, avant c'était dans la salle à dîner. C'est-tu beau, hein? On se pensait ailleurs. Même nous autres on gêné que ça soit dedans. Imagine nous autres, hein? Puis finalement, as-tu installé ta toilette dans le cadre? Pas encore. Parle-en pas à Jeannine, je veux y donner ça pour cadeau de Noël. Ben, dis-toi qu'avec moi, c'est pareil comme si tu parlerais dans le vide. En tout cas, t'es bien meublé en fait court. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu vis dans une maison, faut pas que tu restes dedans. Je comprends donc. Hey, m'a dit comme c'est un gars, on va aller s'asseoir. Ah oh, ben, on peut bien faire ça pour toi. Hé, monsieur! Je te dis qu'on est assis dans vos chaises, hein? On pensait coucher. Rendors-toi pas, toi! Moi, il n'y a pas de danger. Moi, ça me prend des pelules pour dormir. Ouais, ben, moi, un matin, j'ai sorti mes vidanges. En avais-tu beaucoup? Ben, t'en avais trois sacs. Hé, hey, monsieur! T'as-tu mis ça devant la maison, j'espère? Je sais pas! Y en as-tu des vidanges, hein? Qu'est-ce que tu veux? Faut bien que les vidangeurs mangent eux autres aussi, hein? Certain. Pardon. Ouais, ben, je pense que je vais me mettre de côté un peu. Envoyez fort! Ma blonde qui arrive! Chose m'a-tu appelé? Tu pourrais dire bonjour avant. Bonjour! Puis, as-tu appelé? Comment ça va? Bon, comment ça va? Pas mal, merci, toi? Merci. Puis, as-tu appelé? Non, il a pas appelé. Ah, shit, il est-tu un marre, lui? Hey, tu dis? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de parler mal? Ah, commence pas à flipper. Hey, tu me diras pas qu'à flipper, OK? C'est pas compliqué de parler comme du monde, me semble! Ben, tout le monde parle de même. Ben, t'es pas obligé de parler comme eux autres non plus! C'est pas croyable, hein? On dirait qu'elle a encore grandi, elle. Ça pousse, ça? Tu me dis, quoi? Si ça continue, on pourra pas te dire n'importe quoi, là. Ça va faire changement? Hé, hey, c'est pas à moi que tu parles, là. Bon, elle vient de se plugger. C'est pas grave, ça, Jeannine. Voyons, c'est à cause qu'elle aime ça me taquiner, hein? Pas vrai, Suzy? Mm-hmm. Puis, elle t'a appelé? Qui c'est qui voudrait parler à un arbitre comme toi? On est plugué. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, hey, réponds-moi! En tout cas, toi, ma fille, quand tes enfants vont venir au monde, j'espère qu'ils vont être pareils comme toi! C'est juste ça que tu mérites! Hey, c'est quelqu'un qui m'appelle, je t'ai foiré dans ma chambre! Mets pas ta musique de Puck, là, hein! Ta musique de Puck. Dire que c'était haut de même quand c'est venu au monde! Voulez-vous quelque chose à boire? Toi, Lorette? Donne-moi ce que t'as. Une petite crème de menthe? Oh, donne-moi ce que t'as. Mais j'en ai. Ben, donne-moi ça une. Toi, Georges, un petit gin? Oh, à peine.
Il paraît que la fille à Louiselle, elle attend un bébé. Oh, il va-t-il être cute? Il paraît qu'elle est grosse, là, c'est effrayant. Qu'est-ce que tu veux? Il faut être grosse pour être enceinte. C'est rendu qu'un médecin peut te faire deviner ton sexe avant que le bébé vienne au monde. Il n'y a plus d'infini. Si ça continue, les bébés vont à l'école avant de venir au monde. Hey, Georges, t'as-tu dit qu'on suit des cours de danse? Ben non. Ben oui. Aimez-vous ça? Oh, ma fille, c'est jour et la nuit. Ben, il paraît qu'un couple qui danse le cha-cha-cha pendant 15 minutes, c'est pareil comme courir 15 minutes pendant un mille. Oh, Dieu! C'est pas déjà Fernand qui revient de son cocktail? Dis-moi pas ça, j'ai rien préparé à le dire. Ah non, ça doit être Junior qui vient de porter l'auto. Vous êtes pas venu en auto? Ben non. Junior est venu nous reconduire, il y avait quelques clients de Tupperware à délivrer. C'est personne, c'est juste Junior. Salut mon grand! La santé de bonne humeur? Faut bien! Viens juste porter les clés de l'auto. Hey, compte-moi pas d'histoire, toi, rentre, rentre! Ça va bien? Toi? Plaisir est pour moi. Bonjour, maman. Ça me fait plaisir de te voir. Non, c'est pas vos vieilles chaises, ça? Tu les avais pas reconnues? Du tout. Coudon, j'ai regardé ça en arrivant. Je t'ai dit qu'elle pousse, t'es là, hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la mauvaise herbe? C'est ça, oui. C'est ça pour te faire rire. Hey, je t'en remercie bien gros. Fais-tu quelque chose à boire, Junior? Merci. Je vais attendre un peu. Je prendrai peut-être un verre d'eau plus tard. Assieds-toi donc, là, deux minutes. Je sais pas si j'ai le temps, là. As-tu un rendez-vous galant? Quasiment, oui. Parce que j'ai bien de l'ouvrage ce matin à la maison. J'aimerais ça mettre de l'ordre dans ma collection de boutons de manchette. T'es pas mal occupé? Plutôt, oui. Je suis fait de même. Pas capable de rien faire. J'suis pas le genre de gars qui aime ça, m'a gardé pousser les cheveux sur la tête. Monsieur Tupperware. Ah, faux ben. Et c'est pas fait vendeur après toi? C'est pas pour me vanter, là, mais c'est des bien bons produits que je vends. Mais toi, avec un mari, tu veux en avoir de ces plats-là? Ouais, ouais. Tu vois? Même moi, je me suis acheté une coupe de plats. En vue de la future. Il se part, un trousseau. Ben oui, il passe de genre se mettre les deux pieds dans les plats. Oh. Non, non. C'est normal de faire des farces sur ces plats-là. Puis toi, Lorette, comment ça? Non, non, ça va, je suis correct. Je m'en vais chez Linda, OK? Ah! C'est à elle que tu devrais vendre tes plats. Ça l'occuperait un petit peu. C'est-tu correct? Regarde qui est là. Ah. Allô? Ça roule? Oui, oui. Et? Qu'est-ce que tu fais de bon? Je m'écœure. Tant mieux. À part de ça? Tu veux-tu? Junior te parle. Quoi? Ben, veux savoir à part de ça? À part de ça quoi? T'es-tu allé voir un film? Quand ça? N'importe quand. Non, non. Moi non plus. Pis l'école? C'est plate. Eh ben, fun. Qu'est-ce que tu fais de bon cet été? Rien.
En tout cas, faut pas lâcher, hein? Je peux-tu y aller, là? T'es pas pour planter Junior, là? Ah, y a pas de danger. Non, ben... Toi, t'emmènerais pas Junior avec toi? Je suis pas sûre que ça y tente, hein? Tu pourrais lui demander? Ça vaut pas la peine. Envoie donc, Junior, je vais te prêter char. Je me connais. Je vais barrer dans 2 minutes. Ouais, ben voyons donc. On piquera un somme ensemble demain après-midi. Ouais, c'est un peu buggant. On était supposé se parler, Linda pis moi. Junior est capable de parler? Hein, Junior? Je sais pas, là. Je sais plus quoi faire. Ça se peut-tu d'être branlé de même? Ah ouais, allez-y avant que je change d'idée. Je vais juste aller la reconduire, je reviendrai pas tard. Ben, tu reviendrai de... Tu reviendras à l'heure que tu voudras, d'abord que t'es ici entre minuit et demi puis 1 heure. Faites pas les fous, là! J'ai pas assez l'âge d'être fou, moi! Faites plus ce que je n'ai... Faites pas ce qu'on est plus capable de faire, là! Il y a pas de danger! Pis, êtes-vous allé en Europe, finalement? Ah, l'Europe! C'est pas le mot! Avez-vous aimé ça à votre goût? Vous avez dû en voir des affaires, hein? On a même vu du monde! C'est chier! En Europe! Vous devez passer vos journées de bout? Non, mais ce soir, on dormait. Ça devait pas être chaud? Certain! Mais ça quoi ça a l'air, l'Europe? Ça a l'air d'une vraie carte postale. Avez-vous des photos? Non. Mais on a des diapositives, par exemple. Ça vous tente-tu d'en voir? Bien, certain. Ça, c'est la fameuse tour
tour Eiffel. C'est elle, ça! C'est elle, ça! Elle dit que ça a été bâti, ça. Hey, mais c'est laquelle, donc, des sept merveilles du monde, elle? Je pense que c'est la troisième. C'est pas pire. Ça, c'est une photo de Janine qui rit. Ça doit-il te prendre de rire de même, hein? Mais vous étiez où? En Europe. Mon Dieu! Mais ça a l'air d'une vache, ça! Ça en est une! C'est une vache française! Elle a l'air d'une vache pareille comme nous autres! Je pense que c'est fini! Ça me semble que la vache, c'est la dernière affaire qu'on a visitée. Nos autres films n'étaient pas bons, ça a l'air. Oh, c'est pas grave. En tout cas, je vous félicite. Je trouve que vous avez fait un bien beau voyage. Merci. Mais il y avait des affaires qu'on n'a pas eu le temps de voir. C'est ça qui doit être prochain quand tu vas en Europe. L'important, ce serait de rester là. Oui, mais il n'y a rien de mieux quand tu reviens, par exemple. Ouais. Tu viens d'ici d'une partie de Nudis? J'ai bien ici de fermer la porte, mon ville! C'est pas fini, tout le monde! On vient juste de se rallier, là! T'es bien belle! Tu peux bien parler, toi? T'as l'air de la place des arts! Luce, tu connais le rep? Laurette, c'est ma voisine Luce. C'est elle qui devait venir ce soir. Ah oui, bienvenue. Il fait beau, hein? Merci, c'est ça que j'allais dire. Bonsoir, Luce. Toi aussi? Toujours satisfaite, hein? On peut pas y en demander plus. C'est pas de femme, ça, va? Ça a l'air. Ben, attends, je comprends, t'as sorti pas souvent. Comment t'as fait de pêcher ça, tout ce ben, ok. C'est pas rien que la beauté qui compte, hein? Je vois ça. Le rythme, c'est fermé. Fais attention, c'est un charmeur de pommes. J'avais très hâte de vous rencontrer. Je comprends ça. Vous m'embrasserez bien la main. J'aurais même trop peur de vous embrasser la main. C'est très aimable. C'est un genre? Oui. Mon mari m'a parlé de vos dents après-midi. Ah! C'est vous qui avez un petit problème avec de la dinde? Ah oui? Surtout quand je le mange en bâton. Voulez-vous vous asseoir quelqu'un? On s'assoit-tu nous autres même? Ah oui, il y a des cheveux dans la place. Oh, je peux rester debout, moi? Non, moi aussi, tant qu'à ça. Ben voyons, il y a des chaises en basse. Tu peux aller chercher un beauté chez nous si tu veux. Ce sera pas nécessaire. C'est une farce. Excusez-moi, je la connaissais pas. Puis? On a eu bien du plaisir. Ça se déroulait-tu quelque part? Non. Ça avait lieu d'une réception. Mmh. Avez-vous bien mangé? Le gin, t'as pas pris, en tout cas! C'était un party de quoi? Le but du party, là, c'est de nous faire rencontrer les nouveaux chars. C'est pas bête comme idée. Il avait fait un gros gâteau en forme de Camaro. Mmh.
Il devait être bon? Il goûtait un peu l'huile. Puis, y en avait-tu en robe longue? Non, pas vraiment. Mais il y en a une qui est arrivée avec un de ses bus, par exemple. On aurait dit qu'elle avait juste ça sur le dos. Hey, je tire fou le monde, hein? Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle t'a toujours bien pas voulu laisser que ça. Mais il y a toute une profondeur dans le décolleté, hein? Certain. Mais qu'est-ce que tu connais aux femmes, toi? Elle n'est pas si pire que ça. Elle n'est même pas pire, je trouve. Ouais. Mais je comprends qu'elle n'était pas pire. T'as pas arrêté de la déshabiller des yeux toute la soirée. Ouais, pis le pire, là, c'est que j'ai pas été capable de rien voir. Hey, ça t'aurait pris un périscope. Regarde donc l'autre qui parle. Ben quoi? J'ai bien le droit d'être un autre des fois. Depuis quand? Oh! Mais non, non. Il y a l'air de rien de même, là. Il y a bien des femmes qui aiment ça, cette air-là. Ça me semble, oui. Certain. Ah! C'est moi ou bien j'ai chaud, là? Ben, je comprends. T'es tout rouge aussi. Tu sais bien que c'est pas bon pour ton cœur d'être rouge de même. C'est quoi, moi, toi, je peux te faire un gin. Déplace-toi pas rien pour un. Fais-moi un double. Chérie, tu trouves pas que t'as assez bu pour asseoir? OK, un petit double, par mort. En tout cas, viens pas te plaindre, je te retrouve mort un bon matin. Dis pas un mot, je te jure. Yes? Petite crème de menthe? Oui, mais petite. Jean, un tirophile? Non, merci. Je suis assez sharp de même, là. Laurette? Non, merci. Une autre fois. T'es sûre? J'ai un petit peu mal au cœur. As-tu envie d'être malade? Non, merci. Bon, mais on commence sur une partie de 10. Ben oui, hein? On t'en prête moi, Georges. Moi aussi. Ah ben, est-ce que je n'irais pas ça aller faire un tour dans une réserve de nudistes à un moment donné? Bien sûr. On n'est pas des chevreuils pour se promener tout nus de même dans le bois. Pas pour rien que le bon Dieu a inventé le linge. C'est une gang de sensuels qui se tiennent là. Montrerai des photos à un moment donné. Vous allez voir que j'ai raison. Quand ça donnera? Hey, tu me les passeras après. Moi, je dis que c'est un sport comme un autre, ça. De quoi, non? Le nudiste. Ça coûte pas cher d'équipement, du coup. Puis, la fin que je me suis toujours demandé, oui, c'est où qui charge à ce monde-là? En sort. Puis vous, êtes-vous amateur de quelque chose en particulier? Oui, oui, un peu. Comme quoi? Ben, j'aime bien me faire griller. Comme ça, tu peux profiter du soleil en même temps. C'est ça. Elle a l'air bien grillée, hein? Elle a l'air foncée. Elle, c'est effrayant. Elle cuit à rien. C'est une vraie dingue. On dirait qu'elle a du beurre sur le temps. Et vous, faites-vous griller à l'extérieur seulement? Un peu partout. Êtes-vous... avez-vous un hobby en dehors de votre peau? Oui, oui. Écoutez-vous de la musique? Un peu. Donc, Georges, es-tu en train de faire une enquête? Ben oui, où t'as pris ces questions-là? C'est nouveau? Ben, je connais rien au grillage, mais pas. J'irai vous voir griller un moment donné. Vous me direz comment vous faites ça? Quand vous voudrez. Okay.
disait ça de même. Ah bon? Ouais, ben, ça fait du bien à pas parler pendant deux minutes. Ça change les idées. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, voyons, Fernand. On n'est pas chez nous, ici. C'est quoi que ça te parle de faire? À moins qu'on joue aux cartes. Au strip poker, peut-être. Ah, mais pas assez de linge sur le dos, on monte pour ça, moi. Je vais vous donner un handicap. Je vais commencer juste avec mes bras. Je suis pas bien bonne aux cartes, moi. C'est ça qu'il faut au jeu, là, ma petite dame. Pourquoi on dirait pas au charade? Ça, c'est une idée. Comment ça marche, ce jeu-là? C'est ben un autre, tu vas voir. Tu vas aimer ça. Dans le fond, c'est que je faisais un mot dans ma tête, et vous essayez tous de deviner. Tu comprends? Et qu'est-ce qui arrive si je le trouve? Tu gagnes. Et donc quoi? Tu gagnes rien. Yeah. C'est le fun? Ben oui! Bon ben, j'y vais, je commence. Je vous dis là, j'en ai choisi un difficile. Correct, Fernand? Ah ouais, vas-y. Un mot. Deux syllabes. Première syllabe. Toi? Janine. D'aide! Pointé du doigt! Oh, ceci! Gras! Popoune! Quoi? Oh. Deuxième syllabe! Qu'est-ce que c'est ça? Versé! Café! Hélicoptère! Moite? Moitié? C'est ça! Bravo, Fernand! Ouais, il fallait le savoir. Mais c'est ça le but du jeu? Bon, ben, c'est à ton tour, Fernand. Tu prends un mot que je connais, moi? N'importe quel. Deux syllabes. Deux mots. Première syllabe. Ému? Portefeuille. Chanteur. Vendeur de char. Douleur. Crise. Crise du pétrole. La crise du Moyen-Orient. Crise du ventre. Crise de foie. Crise de nerfs. Aïe, aïe, donc. Crise cardiaque. Quand tu veux, là, ça vaut plein d'être une crise mondiale, son affaire. Fernand! Hey, tabarnou, c'est toute Fernand. Une crise! T'es sûr que c'est pas une crise cardiaque? Ben non, on l'a dit tantôt! Ça fait mal! On a même trouvé un mec qui meurt, hein? Oh, là! Fernand! Je pense que ça va bien, là! Fernand! Fais pas ça! Arrête quelque chose, c'est son regard! Oh, mon Dieu! Pas de panique! T'es-tu correct, mon Fernand? Va-t'en pas, Fernand! Va-t'en pas! Ça ira pas aussi que tu veux qu'il aille! Va-t'en pas! Comment veux-tu qu'il meure? Ôtez-vous de là, faites-y de l'air! Oh. Fernand, appelez l'ambulance! Y a-tu besoin d'aide? Non, checkez-le pas qu'il meure, je vais aller appeler la police. Moi, je suis pas prêt d'encoder ça. Mais regarde une revue! Fernand, à quoi ça la pense, je suis là? Meurs pas, Fernand, je veux pas que tu meurs! Ça fait mal! Ben, voyons donc! Oui, allô! Oui, la police! Oui! Hey, j'ai un ami qui est cardiaque. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Oui, oui, il a l'air urgent. Il respire par coup. 42 Fontainebleau.
J'arrive, ça prend trop de temps avec tes questions ridicules. Il y a le temps de mourir 10 fois. J'arrive! Ok, mon Fernet, t'as-tu le coup de faire un petit tour de char? Un coup, il meurt avant! On va faire ça vite! Mets-toi sur la balle, mon Fernet! Prends ton bout! Ça l'achève, mon Fernet! Avec quelqu'un quand il meurt. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qui prend Marie, il prend ses maladies. Mais lui, sa femme a dû me prendre pour une vraie folle. Il était là, son mari mourait, puis je disais rien. Tu t'en reprendras. Moi, en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que Georges soit veuf avant moi. Ça, c'est l'idéal. Mais elle... Si son mari s'éteint, qu'est-ce qu'elle va faire? Dur, probablement. Elle a aucun talent, pas encore bien moins de compétences. Elle pourrait peut-être être vendeuse et en chercher justement une à la pharmacie aujourd'hui. Ah, ça tombe bien. À part de ça, je trouve qu'elle a un air de vendeuse. C'est vrai qu'elle fait public, hein? Mais ça, on la verrait bien dans les cosmétiques. Si on sait à son visage, elle a l'air de connaître ça, le maquillage. Elle? Elle ferait la barbe à Lise Wattier n'importe quand. Bon, tu vois comme tout s'arrange. Le bon Dieu est pas fou, dans le fond. Pis? Ouais? Une chose à la fois. Ah, mais vous avez bien fait de rester, les femmes. C'est pas beau à voir, hein, Bernard? Une crise cardiaque, c'est pas comme un coucher de soleil. Mais il est pas mort. Non, mais je vais la rapporter des jours au bowling, hein? Non, mon homme. Vous avez fait ça vite? Oh, mais on l'a rencontré l'ambulance police au coin de la rue, fait qu'on lui a redonné. Là, c'est elle? On va te dire qu'elle avait pas le caquette trop haut. Mais elle disait-tu quelque chose? Elle disait qu'elle était pour nous appeler s'il arrivait quelque chose à la mort. En tout cas, en attendant qu'il meure, on se peut une petite game de cartes. Ça nous occuperait le bout des doigts un peu. Êtes-vous en état, les femmes, là? Ah, moi, les quatre, je peux pas leur dire non. Hop, ta boy! Et toi, Lorette, es-tu prête à manger une bonne volée? Oui, oui, n'importe quoi. Puis les beaucoup grignotés, vous autres? Oh, dis-moi pas que tu nous as préparé un petit lunch, là, toi? Ouais. Arrête! Vous avez si bien reçu la dernière fois qu'on était chez vous. On était jamais rentrés à la maison. Dérange toi pas pour nous autres, là. Il n'y a pas de danger. Ouais, mais. Il avait l'air d'avoir le pied pesant sur l'alcool, lui, hein. Le pied? Ben, hey, il fait plus que ton char. Il a pris de me croire. Ta boy, ça a l'air bon, ça! Mon Dieu, c'est bien trop, voyons! C'est pour tout le monde! Ben, je vais ouvrir le bar! Les émotions, ça creuse l'appétit! T'as l'air pas mal aimé, toi! Ton bec, il est tes œufs! Oh, tu les prends, ils ont tellement de goût. C'est pas les œufs qui comptent, c'est la mayonnaise. On joue-tu aux cartes, là, pendant que bon? T'as pas l'air, non? Oh!
pas ma cavalière! Yushki est un cavalier! Il est dans Comment ça? Ouais, ben, c'est parce qu'il a foncé dans l'air avec la chute. Mais pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas! Baptême, lui! Et voilà, on va t'entrer le garage! C'est pas Maë, ça! C'est pas Maë! C'est pas mon char, c'est pas lui! Ouais, c'est lui! Qu'est-ce que c'est que toi, Junior, est-il endommagé? Comment t'as fait ton compte? C'est parce que je disais à l'entrée du garage, mais j'avais le crampon à côté de l'œil, comprends-tu? T'as pas eu envie de rentrer d'un poteau à la place? J'ai pas eu le temps. T'as pas d'air dans ton état? Avez-vous bu? Un peu, non. Il me semble que je t'avais parlé sans boisson, toi. J'aurais dû m'en parler plus encore. Veux-tu qu'on essaie de replacer ta haie, Bernard? Je peux mettre plus les gens, si vous voulez. Hey, tu veux-tu que je te recule, moi? Bernard! Vendant le gazon à coup d'air, ton cahier! Bernard, je te dis que je t'ai dit! Hey, je suis peut-être un très grand patient, mais là, ma patience, elle a le goût de fesser. Tu sais-tu qu'est-ce que c'est que c'était là, toi? C'est-tu là? Non, c'était là, c'est ma haie à moi. Je l'ai plantée avec mes mains à moi. C'est moi qui l'ai mis au monde. Je l'ai quasiment allaité. Comprends-tu ça? T'as-tu déjà allaité ça, une haie, toi? Non. Bernard, on est avec du monde, là! T'appelles ça du monde, toi? T'appelles ça un carlin, moi! Je m'excuse de te le dire, Georges, mais ton gars, c'est un carlin. Excuse-toi pas, comprends ça. Je ne sais pas ce qui t'a pris de mettre un carlin de même au monde. Ben, c'est ça, excuse-nous, hein? Il dit ça parce qu'il est fâché, là. Bien sûr! De non, mon mec, tu comprends pas le principe. T'aimerais-tu ça faire cuire un gâteau pendant 20 ans, pis que je te pue dessus avec mon char? J'achète pas le gazon des autres, moi. Pourquoi qu'ils viennent acheter le mien? Je demande pas grand-chose, au bon Dieu. Je demande juste rien! Y a-t-il moyen qu'il arrive à rien dans la vie, coudon? Va-t-il falloir que je tue quelqu'un à tête pour avoir la tête? Non, 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 non. Oui, ça va faire parce que je pourrais dire des affaires que j'aimerais autant pas entendre. Ouais, ben je pense qu'on va y aller, là, nous autres, non, hein? Fais donc ça, oui. Bernard, t'es sûr que tu peux encore rester un petit peu? Ben, vois-tu, je sais pas ce qu'on pourra faire de plus ce soir. Bon, on viendra demain. Demain, on est fermé, hein? Bernard! T'es sûr que tu voulais pas prendre un petit café avant de partir? Ben, on va y passer en chemin. Bon, ben, on a bien aimé la soirée. Ben voyons, ouais, c'est passé qui compte. Bonne soirée, Bernard, là. Facile à dire, ça. Je pense que je vais pouvoir dire que j'ai eu mon Vietnam, moi. Je sais pas si Fernand va mourir, hein? Ça, ça me dérange pas. Vas-tu manger des torses ou des muffins demain matin? Non, demain matin, j'ai pas faim. Je vais manger ma haie tandis qu'elle est encore bonne. Tu penses encore à ça? Ta mémoire longue, toi? Des fois, là, moi, je me demande à quoi que sert, la vie. Va te coucher, tu y penseras demain. Je pense que je vais aller me perdre, moi, là. Oublie pas d'éteindre les lumières, là!